Et si je te disais que tu peux perdre 5 à 10 cm de tout détail en une semaine, est-ce réellement possible de voir son ventre s'aplatir en une semaine? La réponse, c'est un grand oui. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à plusieurs femmes dans mon groupe de coaching perte de poids. Et cela peut aussi être ton partage. Mais je dois devoir t'éclairer sur un point. Et c'est le but de cette vidéo. Cette perte de ventre n'est absolument pas une perte de graisse. Elle est le résultat de la résolution immédiate de ton problème de ballonnement qui s'obtient quand on se concentre spécifiquement sur deux aspects, la rétention d'eau et l'accumulation des gaz dans le système digestif. La rétention d'eau consiste à une accumulation d'eau dans certaines parties du corps. Elle a lieu quand le liquide qui était censé circuler librement dans le corps commence à stagner de manière excessive dans certains espaces entre les cellules ou dans certaines cavités corporelles. Quand ton corps retient trop d'eau, cela peut te faire gonfler certaines parties de ton corps comme ton pied, tes mains ou ton ventre, te donnant l'impression d'avoir pris du poids alors qu'il ne s'agit que de la rétention d'eau. Cette rétention est l'une des causes courantes du ballonnement. Le ballonnement est cette sensation de gonflement, de distension du ventre et il est souvent accompagné de douleurs et d'inconfort. Il est aussi causé par une accumulation excessive de gaz dans le tube digestif. Donc si tu remarques que ton ventre est plus plat le matin, mais qu'il gonfle au fil de la journée, particulièrement après avoir mangé, si tu ressens les douleurs qui peuvent être localisées ou diffuses dans ton abdomen, alors tu fais sûrement face à ce problème de gaz présent dans ton ventre. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les solutions pratiques pour résoudre ces problèmes afin que tu puisses dégonfler ton ventre en une semaine seulement. C'est en exclusivité sur Mange Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Jipap, ta conseillère en nutrition tropicale, en nutrition africaine. Ma mission est de faire éclore, de révéler l'estime et la confiance en toi qui sont cachées dans ton physique. Je te guide et t'apprends à retrouver ton poids idéal grâce à l'alimentation africaine. Car une femme qui sait qu'elle est en bonne santé et qui est convaincue de sa beauté est une femme puissante. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'hier, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire « Je suis plus attirante, je suis plus séduisante qu'avant », cette chaîne est pour toi. Alors, installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Pour t'exprimer ma gratitude, j'ai un cadeau pour toi. Clique sur le lien dans la description et télécharge gratuitement le livre que j'ai écrit pour toi afin de faciliter ta perte de poids. Il est intitulé « Les non-négociables pour obtenir son idéal physique grâce à l'alimentation africaine ». Tu ne veux pas passer à côté d'un tel secret qui peut radicalement changer ta vie. Il est juste en description. Alors, je te l'ai dit. Perdre 5 à 10 cm de tout détail en une semaine, c'est possible. Mais ce n'est pas une perte de graisse. Non, ce n'est pas une résolution efficace du problème de ballonnement causé par la rétention d'eau et l'accumulation des gaz. Tu as hâte de savoir comment faire, n'est-ce pas? Je le sais. Parce que ce n'est pas du tout agréable de vivre avec des ballonnements. Je suis passée par là. Cette sensation de lourdeur qui t'accompagne tout au long de la journée. Vois ton ventre gonflé à la première bouchée du repas. Tu te sens rempli alors que tu es consciente de n'avoir rien mangé de consistant. La preuve, tu ressens la famine. Mais si tu bois seulement un verre d'eau, tu as l'impression d'étouffer. Tu te lèves le matin avec l'espoir que peut-être aujourd'hui sera différent. Mais dès que tu commences à manger, tu sens ton ventre se tendre. Et à la fin de la journée, tu es toujours mal à l'aise. Tu es obligé de desserrer ta ceinture ou de changer ton style vestimentaire pour cacher ce ventre qui te dérange tant. Je sais que tu en as marre. Tu en as assez de voir ce ventre gâcher ta silhouette, de te sentir inconfortable
dans tes propres vêtements. Tu rêves de pouvoir te regarder dans le miroir et te sentir belle, légère, sans ce poids qui pèse sur toi. Et si on veut être honnête, parfois je te refuse à ton époux à cause des ballonnements. Tu as juste l'impression qu'il n'y a plus d'espace en toi pour lui. Donc ce problème va au-delà de l'esthétique extérieure. Quand il est insistant, il devient un parasite dans ton intimité et peut même affecter ton estime de toi. Les solutions que je vais partager avec toi aujourd'hui sont exactement ce dont tu as besoin pour enfin te libérer de ce problème. Retrouver ton ventre plat et ta vitalité. Nous allons d'abord nous attaquer à la rétention d'eau et ensuite l'accumulation des gaz dans le système digestif. Même si globalement les actions de solution permettent généralement d'évincer les deux à la fois. Tu vas surtout découvrir ce secret bien gardé que peu de gens connaissent alors qu'il est la base de tout confort physique. J'ai nommé la méthode ITFA. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier toutes celles qui m'ont envoyé les témoignages de l'utilisation des produits de notre site internet mangenutrition.com et de notre coaching. Pas un seul jour ne passe sans que je ne reçoive des témoignages de transformation radicale. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Laisse-moi te partager un témoignage d'Olivia qui vit en France. Elle dit « Bonjour coach, tout a changé pour moi avec la méthode ITFA que j'ai accompagnée avec le plan alimentaire africain que tu m'as prescrit. La totale, c'est quand j'ai associé cela au kit détox bio by Josica. Cette tisane est une merveille. Ma constipation a disparu. Je n'ai plus de ballonnement et de sensations de lourdeur. Mon mari m'a fait la remarque de l'amincissement de mon ventre ce matin. Je n'en reviens pas. Il faut savoir que je faisais attention à mon alimentation depuis plusieurs années, mais c'est la première fois que j'ai ce résultat après une semaine. Je continue avec toi jusqu'à la gare. Merci du fond du cœur. Que le grand architecte de l'univers ne cesse de déverser sur toi toutes sortes de bénédictions et que tous tes vœux se concrétisent. Si toi aussi tu veux partager ton expérience avec les produits de notre coaching, avec les produits de notre boutique ou notre coaching, n'hésite pas à me laisser un email, un message WhatsApp ou un commentaire sous cette vidéo. Maintenant, passons aux solutions qui vont te permettre à toi aussi de te sentir plus légère, confiante et surtout libre de cette sensation de lourdeur qui te suit comme une ombre. Commençons par la rétention d'eau. Il existe plusieurs causes à ce phénomène et pour chaque cause, il y a une solution. Une solution simple mais efficace. La première cause majeure de la rétention d'eau est le déséquilibre hydrique du corps. Cela veut dire que les sels minéraux présents dans l'eau qui circule dans ton corps sont disproportionnés. On constate un manque de minéraux comme le potassium et le magnésium et on remarque aussi un excès de sodium dû à une alimentation trop riche en sel, à une consommation excessive de produits salés. Le sodium attire l'eau dans tes tissus, ce qui peut entraîner des gonflements désagréables. Pour remédier à cela, il est essentiel de réduire la quantité de sel que tu mets dans tes repas. Tu n'as pas besoin de la diviser de moitié brusquement. Si ta langue est trop habituée au sel, vas-y tout doucement. Donne-toi chaque semaine le défi de réduire un tout petit peu sur la quantité de sel habituelle. Tu verras qu'au bout de quelques mois, tu auras réussi à rééduquer ta langue à moins de sel sans la brutaliser. Utilise des épices naturelles pour donner du goût à tes plats. Tu verras que tu n'auras plus besoin de trop de sel, encore moins de cuve, parce que le cuve est extrêmement bourré de sel. Privilégie les aliments frais et non transformés. Par exemple, choisis de faire des frites de pommes ou de plantains à la maison au lieu d'acheter ceux qui sont trop salés au supermarché. Tu pourras savourer de délicieux repas faits maison tout en sentant ton ventre se dégonfler progressivement au fil des jours. Si ton alimentation manque de potassium et de magnésium, cela peut aussi provoquer une accumulation de liquide. Pour
rétablir cet équilibre, intègre des aliments riches en potassium dans ton alimentation, comme les bananes, les avocats ou les épinards, les mangues ou les papayes, et les aliments riches en magnésium, comme les noix de cajou, les graines de courge ou le café non sucré, les épinards, les choux, le gombo ou les feuilles de moringa, et plusieurs autres. La liste est bien longue. Prends l'habitude de faire des smoothies de légumes verts qui vont nourrir ton corps avec des nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale et te rapprocher chaque jour un peu plus de ton objectif. Si tu appliques cela, tu verras déjà une réduction importante de ton taux de taille après une semaine. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te reconnais dans ce problème de rétention d'eau? Es-tu prêt à mettre ces astuces sur pied pour t'en libérer? Je voudrais aussi te mentionner que la rétention d'eau est un symptôme récurrent chez les nombreuses femmes pendant le cycle menstruel, en particulier dans la phase prémenstruelle, donc avant tes menstrues. Cette rétention est principalement causée par des variations des hormones qui entrent en jeu dans le bon fonctionnement de ton cycle menstruel, notamment l'augmentation des niveaux d'œstrogène et de progestérone. Ces hormones peuvent influencer l'équilibre des fluides dans le corps et augmenter la rétention de sodium, ce qui, à son tour, entraîne une rétention d'eau. Donc, pendant cette période, tu peux remarquer un gonflement au niveau de ton ventre, des seins, de tes mains et de tes pieds. Ce qui peut être très inconfortable, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, ce phénomène est temporel et disparaît généralement après le début de tes menstruations. Lorsque les niveaux des hormones se stabilisent normalement, tu dois te contenter d'adopter une alimentation équilibrée, faible en sel et riche en potassium pour réduire la rétention d'eau associée au cycle menstruel et empêcher que cela dure au plus longtemps que ça ne devrait. Il faut surtout boire beaucoup d'eau pour permettre à ton corps de relancer la bonne circulation du liquide interne. Après la rétention d'eau comme cause de ballonnement, nous avons les gaz qui s'accumulent tellement que le ventre ressemble vraiment à une grossesse à terme. Heureusement, il existe des solutions simples pour t'aider à retrouver le ventre plat. Une solution très simple à ce problème peut être de prendre du temps pour savourer tes repas. Lorsque tu avales tes repas à toute vitesse, tu ingères également de l'air. Cet air se retrouve emprisonné dans ton système digestif et cela crée des ballonnements. Je sais que cela n'est pas évident de trouver du temps pour ça. Entre tes responsabilités au boulot et à la maison, la gestion du mari, des enfants, de la famille, des amis, ce n'est pas facile. Mais je veux que tu retiennes que tous autour de toi ont besoin que tu sois en meilleure forme pour qu'ils puissent tirer le meilleur de l'amour que tu veux leur donner. Donc, prends le temps de manger lentement. Mâche bien chaque bouchée et transforme chaque repas en un moment de calme et de plaisir. Et ton ventre ne tardera pas à te remercier. Une autre solution est d'arrêter ou de diminuer drastiquement la consommation des boissons gazeuses et de tout aliment qui produit le gaz parce qu'elle fermente trop dans ton intestin. Il existe certains aliments qui, bien qu'ils soient très nutritifs, ils provoquent des gaz et des ballonnements s'ils sont consommés en excès ou sans être correctement préparés. Nous avons par exemple des choux, des légumineuses comme les haricots, les lentilles, le soja. Pour y remédier, essaye de réduire la consommation de ces aliments. Ou de les préparer d'une manière qui réduit leur effet sur ton système digestif. Par exemple, en les cuisant plus longtemps ou en ajoutant des épices comme le cumin ou le gingembre. Moi, par exemple, j'ai vraiment obtenu des résultats significatifs sur mon ventre quand j'ai décidé de ne plus manger de crudités pendant une certaine période. Parfois, notre intestin est juste lent dans son travail de digestion. Cela fait que même certains aliments qui n'étaient pas censés produire du gaz le font. Par exemple, les fruits.
Nous savons que les fruits ont besoin de grand maximum 30 minutes pour sa digestion, pour leur digestion. Mais s'ils sont bloqués à un niveau de transit intestinal, ils vont pourrir et libérer des gaz. Donc, tu dois t'assurer que ton processus de digestion soit optimal. Et c'est là qu'entre en jeu la méthode révolutionnaire qui changera tout pour toi. Il suffit que tu l'appliques religieusement sans te poser de questions. Elle est très efficace contre la rétention d'eau et l'accumulation des gaz. C'est la clé qui te manque pour enfin te libérer définitivement. Elle est très facile à suivre et elle a déjà transformé la vie de nombreuses femmes. C'est une simple méthode qui s'applique en 5 étapes et qu'on applique toujours dans mes groupes de coaching. La première étape est le HY, l'hydratation matinale. Dès que tu te réveilles le matin, bois un demi-litre d'eau à jeun. Pourquoi? Parce que cette hydratation immédiate permet de relancer ton métabolisme, ta digestion et de purifier ton système digestif après cette longue nuit. C'est la première étape pour éliminer la rétention d'eau en stimulant ton corps à évacuer l'excès de liquide qui pourrait se stocker dans ton ventre et te donner cette sensation de gonflement. Ensuite vient la deuxième étape, le thé qui signifie tisane. La tisane t'aide à éliminer les ballonnements en réduisant l'accumulation de gaz dans ton système digestif. Elle combat efficacement la rétention d'eau grâce à ses propriétés détoxifiantes qui aident ton corps à se débarrasser des toxines qui provoquent ce gonflement. Mais il faudra faire attention à ton choix de tisane, car certaines plantes mal cultivées peuvent plutôt aggraver ta situation. Je te recommande le kit détox bio by Jessica. C'est une merveille que j'ai testée par moi-même et que je continue à apprendre tous les jours et que je recommande à toutes les femmes qui veulent vraiment voir une différence sur leur ventre. Ce kit est constitué de 3 tisanes à boire matin, midi et soir. Non seulement il aide à éliminer les ballonnements, mais il est aussi incroyablement efficace pour réduire la rétention d'eau. En plus, il est totalement naturel, sans laxatif et peut être utilisé même par les femmes enceintes et celles qui allaitent. En 5 jours seulement, tu vas sentir ton ventre se dégonfler et ton énergie revenir. N'est-ce pas merveilleux? Essaie et tu m'en diras des nouvelles. Tu peux le retrouver et le commander sur le site internet manginutrition.com. La troisième étape est le F qui est mis pour les fruits ou les légumes que tu consommeras 30 minutes après ta tisane. Ces aliments riches en fibres sont essentiels pour maintenir un transit intestinal fluide, ce qui réduit la formation de gaz et évite que ton ventre ne se gonfle après chaque repas. En nourrissant ton corps avec ces nutriments essentiels, tu vas non seulement améliorer ta digestion, mais aussi prévenir les ballonnements. La quatrième étape est le A, activité physique. Pas besoin de faire des efforts démesurés. Une simple marche de 30 minutes par jour suffit pour stimuler la circulation et aider ton corps à éliminer l'excès d'eau. Cela va aussi favoriser un bon transit, réduisant ainsi le risque d'accumulation de gaz. Plus tu bouges, plus tu aides ton corps à se débarrasser de ce qui l'encombre. Et cela va contribuer à réduire rapidement ton taux de tisane. Enfin, tu as la cinquième étape, qui est le H, mis pour hydratation additionnelle. L'hydratation, tout au long de la journée, est cruciale. Bois au moins 1,5 litre d'eau aide à maintenir ton corps hydraté et à éviter la rétention d'eau. Et tout cela facilite l'élimination des déchets qui peuvent contribuer à ce ventre gonflé. Une bonne hydratation est la clé pour soutenir toutes les autres étapes et assurer que ton corps fonctionne de manière optimale sans retenir des liquides. Cette méthode HY est bien plus qu'une simple routine. C'est une solution complète qui a déjà transformé la vie de nombreuses femmes. Elle les a aidées à se débarrasser de leur ventre gonflé en moins de 7 jours et à retrouver leur confiance. Imagine-toi dans quelques jours, légère,
avec un ventre plat et une silhouette raffinée. C'est à ta portée. Il te suffit de suivre ces 5 étapes simples. Alors, es-tu prête à commencer? Dis-nous moi en commentaire pour signifier ton engagement. Donc, nous avons vu dans cette vidéo qu'il est tout à fait possible de réduire ton trou de taille de 5 à 10 cm en une semaine. Mais il est important de se rappeler que cette réduction rapide provient de la résolution des problèmes de rétention d'eau et de ballonnement, et non de la perte de la graisse. Nous avons exploré les causes de ces problèmes et je t'ai montré comment la méthode HITFA avec ses 5 étapes simples, hydratation matinale, tisane détox, fruits ou légumes, activité physique et hydratation additionnelle peut t'aider à te libérer de ces gonflements désagréables. Cette méthode est simple à suivre, mais incroyablement efficace et elle a déjà transformé la vie de nombreuses femmes. Alors, écris « Go » en commentaire pour que je comprenne que nous sommes en phase et que tu vas passer à l'action pour un ventre plus plat en 7 jours. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. Et si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.